Il existe environ 90 espèces de baleines, dauphins et marsouins dans le monde, regroupées sous l'ordre des cétacés. Si toutes sont plus ou moins en danger, certaines font partie des plus menacées de la planète. Les prises accidentelles sont particulièrement meurtrières. 300 000 cétacés meurent chaque année en s'empêtrant dans des filets de pêche. Plusieurs espèces de baleines ont frôlé l'extinction au XXe siècle, car elles étaient massivement chassées pour leur chair et leur graisse, utilisées dans la fabrication de savon et de combustible. La chasse commerciale a donc été interdite en 1986 par un moratoire international voté par la Commission baleinière internationale, l'organisme qui régule cette industrie. Mais plusieurs centaines de baleines sont toujours tuées chaque année, principalement par la Norvège, l'Islande et le Japon, qui profitent des failles juridiques du texte. Le plus gros chasseur est de loin la Norvège, avec une pêche record de 736 baleines de mink en 2014. La même année, 355 baleines ont été harponnées par des communautés autochtones du Groenland, de Sibérie orientale, d'Alaska ou des îles Saint-Vincent et Grenadines, le moratoire autorisant la chasse aborigène dite de subsistance. Signataire du texte, le Japon prétend chasser les baleines à des fins scientifiques. Il a été contraint de renoncer à la saison 2014-2015 après une décision de la Cour internationale de justice, considérant qu'il détournait cette activité à des fins commerciales. Mais il a repris la chasse l'année suivante avec un nouveau programme, réduisant de 2/3 ses objectifs de prise. Pour les opposants, cette chasse, qui peut être pratiquée à l'aide de harpons explosifs, est inhumaine et condamne les baleines à une mort lente et douloureuse. D'autre part, l'industrie baleinière a tendance à décliner et la demande de viande est en baisse. Les baleines sont aussi menacées par les activités pétrolières, la pollution des mers, la perte de l'habitat et des ressources alimentaires. Mais tout n'est pas perdu. En 2016, les États-Unis ont retiré la majorité des populations de baleines à bosse de la liste des espèces en danger, signant le succès des politiques de protection.